Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision, c'est la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir Street Dance qui existe depuis 2003, qui fait la fierté de notre ville. Et les gars, bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, un plaisir. Bien que ça dit quoi mon frère? Bon, salut à tout le monde, salut Goma, Djambotena. Ouais. Nous sommes là, Karibou. Chez Karibou Koenou, voilà. On vous dit Djambo, on vous dit on vous aime, on vous adore. Bien sûr. Alors, vous êtes là parce qu'il y a une actualité, bien sûr, qui concerne Street Dance déjà. Bon, c'est rien, personnellement, je dois d'abord, avant peut-être de dévoiler même l'actu, je dois vous dire que je suis très très fier de vous. Merci, je suis aussi fier de vos réalisations. Vraiment, je suis fier de vous. Et Goma doit être fier de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyagez la semaine prochaine pour participer dans un grand festival. Ça va se passer en Asie, précisément au Pakistan. Il s'agit, bien, je ne suis pas bon en anglais, mais il s'agit de Art Council of Pakistan, Karachi. Yes. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de concept, bien qu'il et les contacts, comment est-ce que Moulifiki Mbakale ou peut-être Kouko aussi invité moi les festivals Asie. C'était comment? Merci. D'abord, on est content d'abord parce que nous évoluons, on continue à faire le nécessaire pour notre culture. Et nous sommes donc tous les coins invités. C'était à Kigali, je crois. C'était il y a déjà 3 mois. Il y a déjà 3 mois passés déjà. On était invités pour un grand festival et qui réunit certains pays du monde et d'Afrique aussi, pour parler des problèmes et tout ça qui se passe au Congo, qui se passe au Rwanda et les différents pays. Alors nous, on a été choisis comme des jeunes entrepreneurs qui peuvent défendre ces valeurs et tout ça. Alors nous sommes partis là-bas. Alors comme il y avait plus de 150 pays, il y avait les États-Unis qui étaient là, il y avait aussi l'Europe et tout ça. Donc nous avons vraiment beaucoup de pays. Alors notre travail qui était présenté, c'était le course au pouvoir. Donc c'est une pièce de danse, mais aussi c'est une storytelling en fait. Là nous parlons de ce qui se passe par rapport à notre situation, par rapport à nos voisins, par rapport à nos déplacés aussi, parce que nous faisons partie des déplacés qui depuis plus de 30 ans nous vivons cette même histoire. Alors la même histoire que nous avons rencontrée au Rwanda, c'est la même histoire que beaucoup de pays ont choisi d'inviter pour que nous puissions aller représenter le Congo dans différents festivals du monde. Par exemple, nous allons aller, nous serons à Luxembourg, aussi après nous serons en Allemagne, aussi après le Pakistan, parce qu'en Asie, nous aurons au moins 3 pays. Bien sûr. Avec 3 académies que nous allons échanger avec en fait. Ok. Voilà. Donc vous voyagez déjà la semaine prochaine. C'est un festival qui démarre le 26 septembre jusqu'au 30 octobre. Ouais. Alors je me tourne vers Senzo. Comment est-ce que mon atterrit chez le festival? Les préparations se passent comment? Fais tourner un peu le micro vers toi. Ouais, ça se passe comment? Ouais. Ouais. Merci pour nous avoir parlé. Ouais. Aussi, je peux me présenter un peu. Bien sûr. Parce que je suis nouveau dans Street. Voilà. Rapproche-toi du micro. Oui, en fait, Jinangoni Senzo. Je suis un artiste malanitaka parce que je suis danseur. Ouais. Nous avons évolué à Bukavu, mais pour le moment, je me suis déplacé à Nkakiabaki à Goma. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec Street. Voilà. Ouais. Alors, comment est-ce que vous préparez déjà le festival et d'abord Pakistan? Bon, en tout cas, on a préparé le festival très bien, malgré que ma problème est que ça, que je n'ai pas quand même. Kabisa, on a dû préparer très bien. Est-ce que Bukavu est un joueur qui est où tu as représenté Bukavu, Pakistan? Ouais, Béké n'a eu parce que son ailleurs, ma affiche Zico, on publie tout, on fait des répétitions. Et c'est quoi le feedback que tu as? Est-ce que tu sens que vraiment Bukavu t'accompagne ou jusque-là tu n'es pas satisfait ou comme si genre ou tu as fait fierté à Bukavu mais les gens vont soutenir comme tu veux? Ouais. Il en a ce moment, Nicole, mais pour moi, vraiment, ça m'arrange. Ça va très bien. Bukavu, ni province, je ne refuse pas. Mais, ni province. D'ailleurs, donc, bien sûr. Bukavu aussi, il est fier. Parce que dans ses rois, il va représenter. D'ailleurs, je reviens à Bianco. Toujours la même question. Parce que Goma reconnaît ce que vous faites déjà, ce que vous allez faire, bien sûr, au niveau de Pakistan, Luxembourg, Allemagne et tout. Bon, jusqu'à maintenant, ce qui nous pousse au moins à venir ici et à venir dire haut ce que nous pensons vraiment bas,
c'est par rapport à l'évolution, parce que depuis que nous sommes, depuis que Student Dance existe déjà, ouais. nous avons plein de voyages, ouais. Nous avons déjà réussi à mettre beaucoup de communautés ensemble, à mettre beaucoup de jeunes ensemble pour échanger sur notre situation. Mais depuis que nous commençons, depuis que nous sommes, nous avons vraiment besoin des soutiens de notre communauté. Si nous sommes ici, c'est parce que vraiment le besoin qui est là, c'est que souvent on s'en sort, souvent on voyage, on part, on rentre. C'est par nos valeurs que nous partons aller représenter le pays, voilà. pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Alors aujourd'hui, je me suis dit, nous nous sommes dit, par passant par Zonar, ouais. nous allons dire à Goma, mmh. oh, ce que nous pensons vraiment bas. Et nous pensons, c'est que Goma doit vraiment accompagner la jeunesse. Voilà. Parce que la jeunesse de Goma a des talents. La jeunesse de Goma a besoin de certaines personnes qui ont l'influence, certaines personnes qui ont des regards. Mais après, on se rend compte que certaines personnes se tournent à autre chose mmh. et laissent la force de l'évolution. Parce que la force de l'évolution, c'est la jeunesse. Voilà. Et c'est nous. Alors nous sommes en train de nous battre pour donner une autre image à notre province. Mais déjà, alors, ça fait mal quelque part. Ça nous fait très mal. Que vraiment, il n'y a pas cette population qui vous accompagne. Imaginez-vous, depuis déjà que nous sommes en train de préparer ces festivals, ouais. depuis que nous sommes en train de préparer notre voyage, sans que nous ayons un manager, sans que nous ayons un représentant au niveau du gouvernement, sans que notre gouvernement nous accompagne, nous sommes arrivés à nous avoir des voyages, nous sommes arrivés à nous avoir des visas. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons qu'un besoin, qui est Goma, que même une personne de Goma puisse dire, moi je contribue avec 1000 francs, ou ouais. moi je contribue avec, je sais pas, avec une idée, voilà. pour que vous arriviez à faire ce que vous allez faire. Très bien. Parce que c'est ça notre amour, c'est ça notre fierté. Ouais. C'est voilà. que la communauté de Goma puisse nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà, je me tourne vers mon ami Habib Black Power. Kapanga, a.k.a. Alors, tu vas partir au Pakistan et on sait bien aussi ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Ouais. Vitamine, ouais, Vita et tout. Quelque part, ça te fait pas peur ou carrément, tu as cette rage aussi à petit message et à couronner chaque coup que ce que vous vivez, bon, n'achète trop la vie vivre. Ouais, merci, merci. Premièrement, ce ouais. que je peux dire, Nico, Moutoto Apagoma, Natona Koma, là, Mouyanvio. Donc, Gumi et Nayo, ça fait partie de la musique et Mina Sikiaka. Donc, Masasi. Masasi, c'est une Sikiasana. Mais, je dois aller là-bas pour représenter notre pièce. Okay. Et ta partie, Anavo, il est force, Yakuyua, on vit la même chose. Okay. Et on a besoin d'échanger ça. Voilà. Parce que il est pièce et citoyen d'Achesa, Nyakonesha, Watuke. Damu ya mingi njo pouvoir na mwangaka. Mm-hmm. Donc na kuko damu na mwangaka jo pouvoir échanger. Voilà. Donc il faut pas comprendre message et tout konayo, c'est pourquoi c'est trop philosophique en fait. Voilà, voilà. C'est ça. C'est pourquoi j'ai envie aussi d'aller là-bas pour présenter et montrer aux gens ce qu'on a besoin d'échanger. Bien sûr. Bien sûr. Alors nous sommes aussi avec B-Boy, B-Boy Ricky. Comme il m'appelait B-Boy, B-Boy Moussa. Ça dit quoi, mon frère? Très bien. Voilà. Je pense dernièrement, on a pièce Yako, il y a. Ouais, je sais, on m'a topé et tout. Mais oui. C'est pas objectif de gagner à la base. Et mon objectif, il y a eu les performances. Ouais. Et vous savez, Moudouni, hein, il y a les gens qui sont vraiment minimisés. Donc, okay. lorsque tu vois la personne, et. Oula, mon ça Gizi, Hana Valère. Ouais. Donc, et ce qui m'a poussé juste de faire ça, ouais. et donc, parce que le thème était juste victime moderne. Okay. Voir que la personne donc, était. Donc, tu sais, même Oujar, il y a pygmé. Et ça, on en a pygmé, tout mon fou, puis ça, on a. Déjà, on a quoi les manas? On a sous-estimé, on a eu. Ou mon tout mon fou, puis quoi, il vit comment? En fait, c'est ce qui m'a poussé de le faire et montrer. Le monde. Et pour toi, quand tu entres dans l'histoire, alors, ça c'est notre déjà, histoire. Oui, oui. Est-ce que tu es prêt moralement et physiquement? Est-ce que tu es prêt au Kotaïari? Quand il voyage, je m'attends à Mounenda Asie, Mounenda Europe également. Est-ce que moralement et physiquement au Kotaïari? Merci pour la question. En fait, Ninge Jibia, que physiquement, en tout cas, Nico ready. Ok. Yeah. Nico ready. La Guinée, moralement, vraiment, je suis pas. Vraiment, c'est pas quelque chose.
habitenir en fait. Quoi problème c'est chiepe que quand ça a tout j'en sortir je suis à coupata il y a plutôt pata soutien voilà et vu que moi je pense que soutien Joe base y a qui la quitte en fait voilà ouais donc il y a une guerre masai et n'ingé ambia population il y a RDC bien sûr. Donc précisément Goma kwenye tunaishi kwanza que kama tunakia pa juste ni joue à représenter République démocratique du Congo précisément à Goma maintenant à tout enda juste joue vitwa wetu vinachoka tole tu représenter maintenant ça tunafika tu kwesa gizi morale hakuna voilà c'est pour cette raison kama tuko physiquement tuko prêt moralement quand même et on a besoin de vous. Oui, oui, on a besoin. Tellement on a besoin. Je me tourne vite fait vers Arthur B-Boy Spirade. Ouais. Voilà. Arthur, donc, comment est-ce que tu te prépares déjà? Il y a les Muzungu. Ouais. Préparation, vraiment pour la préparation, je suis vraiment prêt physiquement. Ouais. Moralement, vraiment, ça ne va pas parce que on a besoin déjà des Goma, des Congo, voilà, pour qu'ils puissent nous aider pour ce voyage, pour réaliser nos rêves. En fait, c'était ton rêve un jour prester au Pakistan? Ouais, c'était mon rêve d'aller de voyager loin d'ici à Goma. Voilà, alors, pour représenter ta communauté. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, juste à présenter Goma, au pays étranger, t'es dans un pays asiatique, toqué à Goma, tu pas couler Asie, les Mungini en bas. Voilà. Alors, ma stress est à quoi? Mingisana. Voilà. Donc, mais là, je sais qu'il m'a fait sentir à l'aise, on a joué. Tout a pression, nous mettons à battre. Oui, ouais, c'est ça. Bah, parce qu'on va tout immobiliser pour que tu vas représenter. Tout a pression à battre, on a faute feu à mana. C'est ça, juste. Je voulais juste te dire que bientôt qu'on a besoin bien sûr nous soutenir quasi ton afanyaka na gouvernement et ya Congo et puis me bingia moi tu soutenir et kadogo pour que tu puisses avancer de l'avant bien sûr artiste ya Goma bana fanyaka bitu ya bo pe ke bila manager bila muto akuba soutenir alors tu mets pas tes opportunités ya kutufikisha kurevu zetu zetu kunaenda tuko nafanya alors ndio tunarudia tena kwa population ya Goma na ya Congo na gouvernement ya Congo ba pousse tu soutenir un peu mais je me tourne un peu vers Bianco avec le gouvernement et tout est-ce que quand même vous avez fait le premier pas de montrer ce que c'est que vous êtes en train de préparer parce que ça peut aussi venir dans le Nil hein. Bon je crois bel et bien que nous sommes les enfants qui viennent d'une famille. Nous avons des parents. Ouais. Notre gouvernement, c'est comme nos parents. En fait. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Même si nous n'avons vraiment pas besoin d'avoir de l'argent de leur part, mais nous avons au moins besoin d'avoir leur présence, leur amour, leur affection, tu vois. Okay. Alors, je sais très bien que nous sommes les jeunes. D'abord, moi, personnellement, comme le directeur artistique de la compagnie, je suis un danseur qui est reconnu déjà au Congo, en fait. Alors, si une fois j'ai fait quelque chose, cela veut dire que il peut y avoir des gens qui peuvent se dire au moins à 10%, nous pouvons au moins accompagner ces jeunes. Voilà. Alors, avec notre gouvernement, nous sommes partis les présenter les documents, nous avons présenté les projets, nous avons envoyé tout. Okay. Mais on s'est rendu compte que les efforts qu'ils font, c'est par rapport à des provinces. Parce qu'ici, nous sommes à Goma, donc. Donc pour que notre dossier puisse être suivi, ça demande du temps, tu vois, au niveau de Kinshasa. Voilà. Parce que personnellement, je suis quelqu'un qui est plus catégorique. Je ne cache pas ce qui est vrai, tu vois. Alors, avec notre gouvernement, nous avons une très bonne communication. Voilà. Nous parlons très bien. Mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau, on ne sait pas vraiment s'ils existent et comment ils existent dans notre truc. Parce que par exemple, nous allons voyager, mais jusqu'à maintenant... On ne sait pas, nous avons demandé juste l'accompagnement, soi-disant l'accompagnement, de savoir que le gouvernement vraiment est là avec nous. Voilà. Parce que vous avez défini tout le détail, tout fini. Visa et tout. On a tout fini en fait, on a tout fini. Ce que nous sommes juste en train de vouloir, c'est qu'on voit au moins la volonté de notre communauté de dire, nous tant que communauté, on vous accompagne avec la prière. Voilà. Nous tant que communauté, on vous accompagne avec 1000 francs. Voilà. Nous avec communauté, on vous accompagne avec ceci. C'est ce qu'ils nous voulons. Voilà. Parce que si une fois il y a ça... Il y a la force de tous.
Bien sûr. C'est la force d'une personne. Bien sûr. Ouais, alors, comment vous avez, pour les gens déjà, parce que pour les gens qui viennent peut-être de tomber sur cette émission et qui veulent vous accompagner, comment vous avoir facilement? Nous avons d'abord nous avons d'abord nos pages, ouais, qui est là où on peut nous écrire à n'importe quel moment. Okay. Nous pouvons répondre. Nous avons aussi un numéro à qui souvent lorsqu'on veut nous appeler, parce que voilà, il y a des événements ici à Goma, surtout ça, il y a des grands événements qui se passent à Goma, des grands mariages, ouais, il y a des grands salons d'entrepreneuriat qui se passent et tout ça. Nous aimerions bien qu'ils nous donnent des invitations. Bien sûr. Parce que lorsque à l'extérieur on nous invite à des grands événements et ici dans notre pays on nous invite pas, c'est encore plus déplorable. Bien sûr. Donc, nous avons l'argent de là-bas et nous n'avons pas l'argent d'ici de chez nous. Ouais. C'est vraiment déplorable. Alors, ouais, nous avons notre numéro qui est toujours là, qui est vraiment ouvert. Mmh. Je crois que parce que c'est lui la communication de la compagnie, c'est Habib qui se charge de la communication de la compagnie. Ouais. Moi, je suis le directeur artistique. Habib peut nous donner vite fait le numéro. Ouais. Comme ça, le 097 62 087 55. 097 62 087 55. Les numéros sur Airtel Money et tout. C'est ouais, ça ouais, notre ouais, numéro, ouais, c'est Airtel Money. Voilà. C'est ça notre numéro de la piscine. Une fois vraiment, vous voulez nous appeler pour le show, pour quoi que ce soit. Voilà. Après, tu peux dire ce numéro, s'il te plaît. Ouais. Ouais. 097 ouais. 62 087 55. Voilà. Très bien. Le numéro est là. Alors, déjà, je vous invite, Sa Majesté, Mwami, leader Paul Omwela, Jenea Kouaba. Donc voilà, l'ange Lombé, vos jeunes sont là. Et vraiment. Voilà, je pense que vous allez les accompagner. Monsieur Alfred, vous avez vu vos jeunes, hein? Donc ils ont vraiment besoin de votre accompagnement. Alors nous vous invitons aussi à accompagner ces jeunes. Monsieur Yves Sangara, vous avez vu les jeunes, donc il est temps ensemble, tout va accompagner. Kumanenda Asie quand même, va sentir qu'il y a vos communautés à vous, il va partir force. Ouais. Vraiment, on compte sur vous, on compte sur vous et on espère que Mouta Siré aussi accompagnement à vous. Monsieur Daniel Moutoula de Mouda Market, je sais que vous allez faire quelque chose pour ces jeunes. Sinon, les amis, vraiment, on est très fiers de vous et je sais que Goma aussi est fier de vous. Merci. Goma est fier merci de vous. Mais il est temps, merci, il est temps que Goma se manifeste alors. Quand même. Mais ce que tu es amoureux. Voilà, mais ce que tu es amoureux. Ça peut faire du bien aussi. Ouais. Voilà, ouais, voilà. Invite. J'aimerais à ce que si nous avons invité, tu as quoi, Bouka, vous, Goma, Bouto aussi, va m'accompagner. Allez-y. Oui, Mina. Premièrement, je commence par les gens de Bukavu. Bien sûr, bien sûr. Ok, va viens, on va prêter, il va couler, on a sa vie. Kazenye senzo on a fanyaka. Vraiment, tu as l'ombre idée, nous tournons comme tu as déjà sorti, quoi, voilà, opportunité, nous tournons pas, tu n'as pas Goma. Bandou, donc il va prêter, on va pas Goma ni street. Voilà. Ouais, je connais personne ici à part street. Voilà. Oui, mais. Bana, et ça qu'on a besoin de soutenir street vraiment tout quoi pas ton avachunga quoi amuna quoi, donc biote on voilà est prêt pour tout. Voilà, merci les amis, c'est vrai, nous sommes là et bonne préparation de votre voyage parce que vous voyagez merci déjà la semaine merci prochaine. Ouais. Ouais, voilà, on est derrière vous et je sais bien que Goma, bon, d'abord vous avez notre accompagnement. Ouais. C'est ça. On vous remercie aussi. On vous remercie aussi. Merci aussi à Zona. Voilà. Et surtout. Ça, c'est votre maison, les gars. Et surtout, voilà, les amis, je vous dis encore. Quand ouais on parle des zones, on parle des zones là où nous devons mettre de l'art. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire que ceux qui veulent nous voir, voilà, zone art est parmi aussi nos managers. Donc, bien facilement, sûr, ouais, appelez zone art si voilà vous voulez nous revoir. Voilà. Appelez aussi un autre numéro qui est le 097 62 087 55. Merci de voilà nous appeler, de nous envoyer 1000 francs et voilà 500 francs voilà et un conseil, une prière, de l'amour, des voilà tout ça en fait, nous en avons besoin parce merci que hein c'est ce qui fait la communauté. Voilà. Merci on les gars, aime. Peace and love. Ouais. Merci aussi.